Caroline Receveur sortait du silence en juillet, après de longues semaines d'absence sur ses réseaux sociaux. Si sa communauté s'était posé des questions sur la raison de ce retrait d'Instagram, elle a finalement eu sa réponse au travers d'une vidéo publiée par la jeune femme annonçant en légende de celle-ci se battre contre un cancer du sein. Depuis, la maman de Marlon partage son combat et donne des nouvelles après ses chimiothérapies. Ce lundi 9 octobre, la jeune femme a posté plusieurs stories Instagram qui dévoilent la fin de ses séances de chimiothérapie, une étape très importante et pleine d'espoir. Une combat de taille. Après être sortie du silence, Caroline Receveur a souhaité partager les étapes de son traitement avec sa communauté. La femme d'Hugo Philippe a donc dévoilé petit à petit ses séances de chimio et s'est livrée sur les conséquences et les effets secondaires. En août dernier, elle prenait la parole sur Instagram après sa quatrième séance, « Le traitement suit son chemin, ça suit bien son chemin, je suis très confiante. Si est une course de fou, mais je le prends avec beaucoup de bienveillance. Je voulais aussi vous rassurer. Je suis heureuse, ce que je traverse actuellement si est lourd et pesant parfois, je voulais surtout vous dire que ça va, je vais bien, je vis bien ce qui m'arrive. » Elle expliquait à ses abonnés qu'il lui en restait deux, et qu'elle verrait le bout de la traversée d'ici mi-octobre. Caroline Receveur exprime sa joie ce lundi 9 octobre. Caroline Receveur a partagé une story Instagram avec le simple message « Last One », laissant entendre que la date tant attendue était enfin arrivée. Après des semaines difficiles, elle a conclu son dernier cycle de chimiothérapie et exprime son soulagement, si on en croit les petits émojis émus qu'elle a postés. Caroline Receveur @Instagram Hugo Philippe a également célébré cette victoire en partageant un message dans sa story pour exprimer sa fierté et son amour envers Caroline Receveur. Il a écrit, « Je suis tellement fier de toi. Tu as parcouru un long chemin. » Caroline Receveur @Instagram pour ce qui est de la suite, elle l'avait elle-même mentionné il y a quelque temps, le combat n'est pas pour autant terminé, puisqu'elle devrait par la suite se faire opérer. En fonction de l'opération, ils vont pouvoir déceler ou non des nouvelles cellules cancéreuses encore actives. Et si j'ai des cellules, je vais continuer mon protocole et encore un peu de chimio, et si tout est parti, je n'aurai plus que son immunothérapie et la radiothérapie. Avait-elle déclaré. On souhaite beaucoup de courage à Caroline Receveur pour les étapes à venir.